un gros bobo sur un des plus beaux visages de France. Ce vendredi 24 mars 2023, l'ancienne Miss France a partagé sur ses réseaux sociaux une photo susceptible d'inquiéter ses fans. Dans sa story Instagram, Élodie Gossuin s'est affichée, le front ouvert au-dessus du sourcil droit. D'un air affligé, la jolie blonde se faisait poser des straps pour refermer la plaie. De la haute couture, a-t-elle souligné, en dévoilant son front recousu. Et pour remercier le travail minutieux du personnel soignant, Élodie Gossuin a écrit en légende, « Merci à tout le corps médical pour votre professionnalisme et votre gentillesse, tout ce que vous faites. » Malgré l'étendue des dégâts, la maman de deux paires de jumeaux a gardé son humour en rappelant à ses fans qu'elle n'en était pas à son premier coup d'essai. Prendre conscience qu'on a le surnom qu'on mérite hashtag Miss Catastrophe, écrit-elle, avec une pointe d'ironie. Élodie Gossuin n'a toutefois pas révélé la cause de son accident. Élodie Gossuin et Bertrand très amoureux et sans les enfants à Roland Garros invités dans une émission le jour de l'accident. C'est avec le visage défiguré que la compagne de Bertrand Lacherie s'est confiée sur le sexisme ambiant du show business. La belle blonde était invitée dans l'émission Qui peut nous battre, diffusée sur M6 ce vendredi 24 mars. J'ai eu le droit, pour ma part, à mon lot de réflexions, a-t-elle confié dans un premier temps, avant de citer des remarques qui l'ont particulièrement touchée. Parfois, quand on m'a trouvée trop présente, on m'a lancé, tu as tes règles? Pour me remettre à ma place. Point. Je me suis entendu dire, va remettre tes porte-jartelles et démissionne ou va défiler. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Coadic Guirec. Keep taking a chance. You can just keep.